Et on parlait de villages de Dieu qui sont acteurs importants dans le commerce des armes et munitions selon les Nations Unies. Il y a un rapport au commissariat des Nations Unies pour Douamoun avec le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et qui est publié pendant ce maintenant qui fournit des détails sur l'armement gang qui a opéré dans la Tibonite. Selon les données service droits humains BINU recueillis, il y a au moins 5 gangs des carreaux, grand griffes, cocoat sans race, rabotou, actif griffes qui gagnent un arsenal qui gagne la dernière fusil AR-15, M1, M4, M16, T-65, Galil et pistolet. Par contre, ça m'a dit à nous, c'est non, yo, moué dans rapport. C'est pas bah, je m'a cité, yo, après, bah, me connaît. Et c'est yo dit c'est gang ça yo au moins 5 qui dans la balle à Tibonite là c'est AR-15 qui dans yo M1 M14 M16 T65 Galil ça gozam yo oui gozam oui OK tu vas citer donc qui gagne et non gang qui gagne yo oui Dekao gang Dekao gang griffe cocoat sans race kabuto et petit griffe au moins 5 gang qui gagne arsenal qui gagne zam nous sont cité là d'après rapport là malfrayo yo joine zam sa yo grâce à rançon les kidnapper moun et détournement marchandises qui fait généralement sur route nationale là donc c'est comme ça yo joine l'argent pour acheter AR-15 M1 Galil etc. Toujours d'après document dans ça qui concerne les groupes autodéfense yo gagne puisque c'est pratiquement deux groupes qui gagne dans la Tibonite groupe criminel lui et puis groupe autodéfenseur qui gagne membre dans population yo gagne autodéfense avec brigade là et généralement yo gagne meyo mon groupe autodéfenseur yo gagne généralement armes blanches couteau manchette kachapika. Et puis kachapika avec quelques armes yo récupéré dans moment yo tué quelques bandits fait quelques coups c'est ça qui rapporté BINU révélé origine armes qui bandits utilisé dans bala Tibonite là. Les armes à feu, ça y est, ensemble avec munitions, yo, qui n'ont mes gangs, yo, yo, généralement acheté, yo, dans mes groupes qui n'ont village de Dieu, avec l'autre intermédiaire qui est présent dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, là. Gémoun, exam, qui a vivent dans des pays, y'a, qui t'a, en mesure, pour faire zam, ça arriver, dans Balatibonite. Allez. Dans la mer, ou bien, par voie terrestre. Dans mes qui est acheté? Dans mes village de Dieu. Village de Dieu, lui-même. Et lui qui fait zam, yo? Non. On lui va le faire, mais le côté l'approvisionner qui peut être plus facile pour lui par rapport avec l'autre gang qui, en principe, n'a pas la Tibonite puisque de ça n'a pas parlé. Donc, 5 gangs nous sommes dit là, vous comprenez bien? Nous sommes cité là, tout. 5 gangs qui gagnent dans la Tibonite. Principal gang, c'est Dekao, Grand Griffe, Kokorat, Sans Race, Raboto, Acti Griffe, qui a utilisé AR-15, M1, M4, M16, T65, Galil, Yachté, Namé, Gang village de Dieu, principalement. Wow. Ça veut dire que gang village de Dieu a tellement de zame, il y a des zame pour le vendre. Oui, il a fait commerce. Il a fait commerce zame. C'est ça qui dit dans le rapport Nations Unies. Donc ça, c'est une nouvelle activité que gang yo a fait. Sous côté de rançonner moun, rançonner business, oui. Détourner camion, kidnapper moun. Il y a tout. Il y a un poste péage en bas qui a l'argent chaque jour. Oui. Et bon, péage là, on tige. Il n'y a pas de petit monnaie, il n'y a pas de gros. Non. Terme péage, j'ai dit, inapproprié. Okay. C'est fou, mais non. Oui. Péage, j'ai dit, informel. Ils semblent normal. Ils semblent normal. Comme tu dis, obligation. Oui, ils semblent normal. Ils semblent normal. C'est couteau, mais t'es en bas gauche, mon peu près. Donc, il y a. À côté de tout ça. À côté de tout ça, il y a 20 ans, il y a 20 balles. Oui. Il y a un commerce qui est lucratif, oui. Ça veut dire une fois qu'on l'autre parle, il y a une question criminelle là, en Haïti. Oui. Organisation criminelle là. Oui. Mais qui côté même y a lâché, y a approvisionné yo? Et. Je parle avec un source pour le journal là, mais en fait, c'est matin hein, que je parle avec lui sur ça. Je vais mettre Betteli dans l'article là. Et bon, je dis monsieur, c'est sous l'homme, mais il y a vu retourner. Il y a vu retourner, il y a un bateau. Pour aller acheter des armes dans l'autre pays, qui dans la région. Il y a deux. Bon, en fait, et sous ce que nous parlons avec l'IA, il y a deux pistes. À côté de la République Dominicaine, que nous connaissons déjà, avec les États-Unis, que nous connaissons déjà, là, il y a découvert deux autres routes, c'est Jamaïque avec Colombie. Donc, on est là, sur la mer. Qu'est-ce que tu as Colombie? Oui, mais chargé pays prêt. Oui, bon, pas prêt. Oui, oui. Et, oui.
Bon, Haïti bien frontière maritime avec Colombie. En ce qui concerne la Jamaïque, trois examens contre les drogues, c'est notoire et c'est documenté. Maintenant, il y a une chose très simple qu'il faut avoir à l'esprit. Quel que soit le pays qui sert de plaque tournante pour transit de drogue pour entrer aux États-Unis, il y a une logistique qui est sous place, qui a des connexions avec le crime organisé et tout le bagage est connecté. Trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'organes. Organ moun sa yo, business se prospere, le yo gon etat failli. Oui. Et souvent, yo fon jan, yo infiltre l'etat, yo dénature, yo rentre dans l'espace de décision et de pouvoir yo, et puis yo provoque une implosion. Pour après ça, yo besoin. Oui, et puis population a payé prix yo, et puis yo vote de moun qui est de mèche avec yo pour que le système n'a perpétué. Donc, c'est pas nouveau, hein. Nous ne sommes pas le seul pays de cette situation, mais. Bien content que Mounio commence à comprendre, documenter de manière officielle et ça a brisé non là. Pour Mounio comprendre qui le gars au cap manger, non pas c'est vrai que plusieurs mondes là, pour nous comprendre qui le gars au cap manger. On commence à réfléchir, on va dire clairement Mounio. Donc dans zone bandit, on a arraché les armes sous la mer. Hamilton, pas dans zone ça? Hamilton n'est pas battu avec qui? Nous toujours vu mon gars cap. On bel va au de là, garçon. Hamilton, c'est mon ligne la belle. Regardez ça, parce que ça fait longtemps de débat Hamilton qui est tout dans la mer. Puis on te patrouille, j'en oublie. Non, mais au territorial haïtien, c'est une, les zones internationales, c'est son lot. Donc, ils ont même patrouillé les zones internationales, et dans certains cas, ils ont patrouillé tout près des eaux territoriales. C'est connu, donc. Deuxièmement, les appels il y a des moyens sophistiqués, ça veut dire qu'il va obliger une ligne de bateau, il y a des satellites, il y a des moyens de pour déterminer des navires qui ont des mouvements et suspects. Donc, et à ce niveau-là, il faut continuer de poser la bonne question. Maintenant, Londres, là, bon, il faut que tu aies fait, en tout cas, signature, fait récemment, là, donc, traité pour faire traçage électronique des armes qui impliquées dans des crimes en Haïti, qui sont entre officiels haïtiens et officiels américains. Maintenant, est-ce que, crackdown, comme ça, l'a étendu à d'autres sphères pour gommer contre toutes sources de trafic d'alimentation d'Haïti en armes qui est une principale cause de déstabilisation. Là, il faut poser cette question et avoir un petit peu plus d'ambition. À un moment où j'en dis là, et j'en rapporte de là, il y a d'autres filières. Ce n'est pas une surprise. Étant donné des rapports qui sont documentés, la filière colombienne et il y avait aussi la filière vénézuélienne qui utilisait le territoire haïtien pour le trafic de drogue. C'est des débats qui documentaient les rapports. Maintenant, on a vu les conséquences encore une fois, nous dire là, pour que ce soit des actions. Il doit venir. Nous avons dit. Pour qui ça tourne. Pour qui ça tourne, gang, toute puissance. Ça. Donc, c'est pas que quand ils vont là faire mon travail. Non, son grande organisation. Oui, pas comme seulement. Bon, réflexion, stratégie. C'est territoire de séquestration, c'est probablement territoire de stockage d'autres choses. Oui, et puis il y a une infrastructure et tout. Pas oublier ça, on fait en bas. Voilà. Ibo. Voilà. Ibo. Pas un côté qui a un port, on te prend. On m'a dit, si tu es bocabane, on va faire. On fait des faits. On va faire après que les gens. On va demander de notre côté garde-côte haïtienne. Je vais vous donner des clics avant de répondre à mes clics. Non, attends, très bonne question. Mais maintenant, nous avons un embryon de garde-côte qui vient des garçons et des femmes qui dévouent ça va être une discussion là-dedans. Oui, mais avec les matériels. Voilà, les moyens. Qui matériel. L'organe au territorial là, qui tout allié là, parce que nous sommes en île, en tout cas, pas si pas nous, hein, faut d'occuper lui. Il y a tout problème ça, yo, et les moyens ne sont pas. Nous, déjà, pas les moyens. Donc, c'est bien de poser la question, et là, encore une réflexion pour renforcer la sécurité, nous,
la protection des frontières maritimes doit en priorité, même si nous voulons gagner contrôle frontière terrestre. En tout cas, imagine nous voulons gagner contrôle terrestre, nous voulons contrôle frontière terrestre là. Il pose un bien d'autres frontières maritimes. Donc là encore, ce sont des questions qui sont liées à la sécurité publique, à la défense du territoire. Parce que là, on a un domaine de défense clair. Et c'est à demander des investissements en hommes et en moyens pour assurer la sécurité et de territoire national.